Oh là 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 là, ça fait tellement longtemps, gros. Gros, ça fait combien de temps, gros? On s'est pas retrouvé? On veut. Je sais pas, ça fait 3, 4 mois, gros. 4 mois, il n'y a pas eu un vlog. Je me retrouve comme ça, devant vous. J'en dis pas plus pour le moment. Aujourd'hui, c'est une belle journée, c'est pour ça que je vlog. Et moi, j'ai juste attention. Allez, c'est parti. Bon, mes bro, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, ça va très très bien moi. Ça fait très longtemps que je ne vous ai pas vu. Normalement, vous avez vu une vidéo un peu explicative de ma vie actuellement, où l'on est. Il y a très peu de temps sur ma chaîne. Bon, bref, passons au sujet. Vous avez compris comme quoi, en ce moment, c'est un petit peu différent dans ma vie. Je fais plus trop de vlogs. Mais aujourd'hui, du coup, je fais un vlog un peu spécial parce qu'il y a un truc vraiment de ouf qui va se passer dans cette journée. Aujourd'hui, on part à Marseille. On part à Marseille, mais il faut savoir un truc, c'est que du coup, avant de partir, j'ai des. Je me suis dit... Alors, les SNCF, ils sont pas sûrs de ce qu'ils disent. Non, je disais comme quoi je me suis délégué de 4,75€ pour l'Empire Starbucks parce qu'en fait, je suis arrivé ici pile poil à l'heure pour mon train qui était à 10h37 et il s'avère que on part à Marseille et que le train a 40 minutes de retard. Ça fait 50 minutes, les gars, que j'attends mon train. Je vais arriver une demi-heure avant tout le monde parce que là du coup je me rends à Marseille. Il y a un groupe en tout pour la journée, on est à peu près une trentaine et il y a 30 personnes du coup qui vont m'attendre alors que je vais attendre 30 personnes. Donc je pense que je vais me faire insulter en rentrant, mais bon. Cette CF, on peut rien y faire, c'est beaucoup trop puissant pour la plèbe comme nous. Que voulez-vous, c'est comme ça. Donc du coup on prend le train direction Marseille, 2 heures de train. Toujours aussi infâme, c'est parti. Excusez-moi. Ouais. C'est un 6D Mark 2. Quoi? Canon 6D Mark 2. Un mec de la SNCF qui voulait s'entraîner par rapport aux objectifs et aux appareils photo. Franchement très gentil, c'est cool que les gens s'intéressent. Attendez, faut que je règle tout ça là. Attendez, respectez-moi un peu. On arrive à Marseille, en Terre Sainte, ça fait plaisir. Putain, la caméra elle est tellement lourde, j'ai pas l'habitude, j'ai plus l'habitude du tout. Bref, je suis ici à Marseille les gars, avec qui? Bah attendez, regardez, je vous montre vite. Ok, d'accord, bon bah tant mieux alors. Bon, je suis désolé, j'ai pas pu vous parler du coup directement en sortant du train parce qu'en fait, vu j'ai eu 50 minutes de retard, j'ai fait attendre absolument tout le monde derrière moi, donc c'est que des médias, c'est que des l'équipe Eurosport, je crois bien. Que des gens comme ça, et je crois bien que j'ai reconnu juste Joe Space en youtubeur, mais je crois que c'est tout. Après peut-être que je les connaissais pas, ou je les connais pas, ou je les connaîtrai peut-être. Bref, en tout cas, on est à Marseille, avec Puma. Je vous montre pourquoi en fait. Regardez, c'est incroyable, moi je suis content. Parce que j'adore Marseille, je suis né à Marseille, je suis pour l'OM. Et ça c'est incroyable. Ça c'est incroyable. Bonjour. Bonjour. T'as enchanté. Enchanté. Yeah. But it take too long to find a time. The what do you want so I can fit with your schedule? You can't dance till you groove to the drum and the beat. So why you moving those legs up? L'endroit les gars, il est incroyable. Il est incroyable. Bon, je mets ici parce qu'il y a beaucoup de lumière partout. On est du coup à la Casa Delos, je crois bien, si je me trompe pas, à Marseille. Et donc du coup là vraiment on est à Marseille. Et en plus sur l'endroit, je viens de me rendre compte que putain on est de ça. Sur la water, sur l'eau mon gars, on est vraiment sur l'eau et cet endroit du coup qui est vraiment vraiment incroyable. Donc je vais vous faire des plans rapides après, vous en faites pas, vous allez voir à quoi ça ressemble. Là je vous le décris, après vous allez rendre compte comment c'est vraiment, c'est vraiment incroyable. Et s'il vous plaît, mise au point là, respecte-moi. Cool, l'endroit ici il a été réhabilité pour la soirée entièrement aux couleurs de l'OM et à Puma. Donc je vais faire tous les plans, toutes les vidéos, vous allez voir, vraiment ça va être un truc incroyable. Et surtout ce soir du coup, grosse soirée ici si je me trompe pas, avec Puma, avec moi et avec les joueurs de Marseille. Ceux qui sont pas au mondial actuellement en Russie, ils seront ici ce soir. Les lumières sur le bateau ici, depuis tout à l'heure je batte devant, elles sont, je le redis, aujourd'hui je vais dire le mot incroyable, voilà c'est le mot incroyable.
Ça va être le petit chill ici, vraiment, pour le coup, ce soir. Hein. Je vois bien les petites lumières, petite musique. Petit alcool. Attention, la journée, gros. On a la mer et c'est pour vous montrer que tout le maillot, les maillots, les trois nouveaux qui sortent sont inspirés de la mer. Donc vous avez ici juste derrière vous des planches vraiment pour voir les premières esquisses du maillot, comment il a été conçu, de quoi on s'est inspiré. Mais vous allez vite comprendre que ça tourne autour de la mer. Et donc c'était vraiment le premier prototype. Et eh ben il est beau. Ouais. Ouh, c'était vraiment énorme. C'était vraiment très très cool de vous voir dans l'intérieur. Bon, je cache pas qu'il fait encore super chaud. J'ai pas envie de mettre le maillot parce que je transpire dans tous les sens. J'ai pas envie de salir parce qu'il est vraiment super beau, les gars. On a vu la base du maillot, de comment ils l'ont créé. On a vu le tout premier maillot qui a été créé, qui a été, usiné, de voir à quoi il ressemble. Bon, il s'est pris un peu de shoot dans la gueule, le pot. Je sais pas ce qui s'est passé. Il est passé sous un camion. En tout cas, les gars, Jazz 10. Maillot officiel, il est chez moi, il est ici. Mais après, une petite photo Instagram. Normalement, elle est faite, elle est juste ici, si je me trompe pas. J'espère que je pourrai la faire parce que j'aurai le temps. Bref, en tout cas, ici, on est des privilégiés parce que, comme je vous l'ai dit, du coup, il n'y a que nous. On est 28 à pouvoir profiter du lieu. Encore, c'est encore en modélisation, on va dire. C'est en train de mettre encore les tables, tout ça. Juste derrière moi, ici, il y a le président qui est en train. Juste derrière. Je suis avec Joyspace, on va dire, enfin Joyspace à plus haut niveau, mais je suis le seul youtubeur Instagrammeur, je crois bien. Et sinon, c'est que l'équipe AFP, bref, c'est que les gros trucs, que des grosses presses, la télé, tout ça. Et j'ai la chance d'être ici. Donc, ça, c'est vraiment grâce à vous. Et je vous remercie parce que vous êtes vraiment Los Frero Niños. Je suis content, putain. Ouh lolo. Toujours, je dis bien toujours, tester le chiotte quand on a un hôtel. Faut toujours tester. Je teste toujours. C'est le petit rituel quand je commence une vidéo, je mets toujours un pain, on s'en va les couilles. Je ne l'ai pas redit, mais je vous le redis, ça fait encore plaisir de revlogger, de reprendre un petit peu. C'est vrai que j'ai pas trop l'habitude, bien que là, la caméra, elle est grande comme ça, ça me prend un peu de place quand c'est ici. Ce soir, je pense que je vais prendre uniquement le boîtier, le micro et pas le trépied parce que ça va être trop galère. Bref, en tout cas, les gars, là, vous êtes au courant de à quoi ressemblent les maillots, vous l'avez vu. Et ben, c'était une après-midi de ouf, les maillots, vous êtes au courant. Par contre, les gens, là, actuellement, sur mes réseaux, ça, ne sont pas au courant. J'ai pris une petite photo sur Instagram, enfin, pour Instagram d'ailleurs, qui sera... posté à partir de 19h15, hein, c'est l'embargo, c'est là, c'est 19h15, après ça, on peut poster, là, on n'a pas le droit de poster ni rien, on n'a même pas le droit de dire qu'on est là avec Puma et OM, on peut juste dire, je suis à Marseille, c'est tout. Vous ne la voyez pas, elle est ici, voilà, posez votre petit like, allez commenter, allez voir directement le lien, ça fait juste en dessous, le lien ici, dans la description, tu cliques, tu mets un petit commentaire, j'arrive directement depuis YouTube, mon Bronigno. Je recharge les batteries, je vide mes cartes, je commence le montage, je me pose tranquillement, je me change, je fais une petite photo parce que là, le double miroir, il est énervé. Et voilà. Ah oui, dernière chose, putain, je suis pas un putain de troll. Je viens à un événement Puma avec un t-shirt Adidas et avec des Yeezy de la marque Adidas. Voilà. Ils m'ont un peu fait comprendre comme quoi j'étais un peu un enculé, mais ce matin, j'ai pas fait gaffe. But it take too long to find a turn. Then what do you want so I can fit with your schedule? You can't dance till you groove to the drum of the beat. So why you moving those legs so? Bon, je viens d'arriver du coup directement dans l'enceinte. On est revenu après s'être posé tranquillement. Il y a du monde ici là, juste en dessous. Et là derrière, c'est les joueurs qui commencent à arriver. Donc il y aura tous les joueurs, absolument tous les joueurs, sauf les joueurs qui sont au mondial. Donc je vais pas faire le tour de paradis ni faire le petit fanboy, mais si des fois je vais pas filmer les gens dans la soirée, mais si peut-être qu'on pourra croiser les joueurs à travers les plans. Et n'hésitez pas, si je fais pas gaffe et que vous voyez dans les plans des joueurs, dites-moi dans les time codes, comme ça j'irai voir après. Bon, ils rentrent.
tell me what you wanna do. What you wanna do? About to find a time, we can make it right. Tell me what you want, what you don't think. I'm locked in, locked in. Tell me what you wanna do. What you wanna do? About to find a time, we can make it right. Tell me what you want, what you don't think. Bon les gars, on est toujours à la soirée, je fais pas beaucoup de blancs parce qu'il y a beaucoup de monde et que bon, pas non plus mettre la caméra dans la gueule des gens. 22h04, il y a eu un décompte qui est arrivé du coup sur le grand écran d'arrêt, un décompte de 15 minutes qui est arrivé. Et il y a une rumeur qui dirait comme quoi soit Balotelli, enfin Balotelli devrait être là, ou, je dis bien ou, Maradona. Ouais Maradona, il paraît que Maradona devrait peut-être également venir ici, donc c'est pas sûr et bon. C'est vrai que par contre l'alcool est vraiment très chargé ici, il rigole pas du tout. Mais malheureusement je peux pas être là, je suis un petit peu pris en Russie, alors voilà, et par la même occasion, souhaiter une bonne reprise à toute l'équipe de Marseille, voilà, vous me manquez, je vous embrasse, et Puma démarque sur Marseille. Sorry not sorry, pardon this army. Young C's, the new Marcus Garvey, blacker the berry, the sweeter the juice, darker the skin, the tighter the noose, truth prevails. Once they make hate and the crime go to jail, nigga might say your life, post your bail. Church full of evil guys, holy hell, I'm a young voodoo child, know the spell. Yeah, know the spell. Sick of waiting, we bout to start taking. We occupy the spot and leave that motherfucker vacant. Ah, je suis rentré, putain, je suis éclaté. je suis fatigué, vachement fatigué. C'était vraiment une super soirée. Merci beaucoup. On s'est arrêté au niveau des feux d'artifice. C'était vraiment très, très cool. Franchement, ils ont mis le paquet sur ça. Je tenais à vous remercier. Je vous ai remercié sur Instagram. Je vous remercie encore une fois sur YouTube. C'est grâce à vous, tout ça, que je peux vivre des choses comme ça et que je peux vous partager ce genre de choses. Parce que ce genre de soirée, malheureusement, c'est pas ouvert à tout le monde. Et voilà, je voulais retranscrire. Voilà. Même j'ai profité quand même un petit peu, j'ai fait plein de plans vraiment à la fin, plus voilà, un peu en mood, vous avez vu un peu le style que c'était, voilà. Je vous dis bonne soirée, et moi demain je me lève à 5h30 pour reprendre le train à 6h pour travailler à 9h. C'est ce genre de vie qu'on a décidé de mener.